Le vent souffle vraiment fort tout à coup. Nom d'un écrou, le cerf-volant a été emporté par le vent. Pauvre petit singe. Attends, ne te fais pas de soucis, je vais rattraper ton cerf-volant. Tu as rattrapé le cerf-volant du petit singe. Je suis content d'avoir pu t'aider. Maintenant, il ne me reste plus qu'un... Wow, mais qu'est-ce qui se passe? Nom d'un ange, Oliver! Le sol est en train de se fissurer! Wow! Oh, oh, on dirait que j'ai atterri dans une sorte de mare de boue collante. Oh, très collante. Oh! Nom d'un boulon, je n'arrive pas à en sortir. Oh oh, Blaze a besoin de mon aide, je dois lui porter secours. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi tu veux aider Blaze? Formidable, on va lui venir en aide ensemble. Tiens bon Blaze, le petit singe et moi, on se met en route. Merci les amis, et bonne chance. Allons-y petit singe, les amis arrivent à la rescousse. Wow! Ce marais dégage des bulles de gaz. Comment est-ce qu'on va faire pour le traverser? Wow! Je crois que le petit singe essaye de me dire qu'on peut passer au-dessus du marais grâce à sa longue queue. Le corps des singes s'est modifié. Tous les animaux évoluent et s'adaptent. Ils développent des capacités qui leur permettent de survivre dans leur environnement. Certains singes vivent tout là-haut, dans les arbres. Au fil du temps, leur queue s'est transformée et elle est devenue très habile pour agripper des choses. Ça leur permet d'attraper leur nourriture et de se balancer aux branches d'arbres. Allons-y, petit singe. On va s'accrocher aux branches et se balancer au-dessus du marais. On va compter les branches qu'il y a sur les derniers arbres. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, donnons la consigne au singe. Dis, saute 5 fois, petit singe. Saute 5 fois, petit singe. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. On a réussi. C'est grâce à toi, petit singe, et à ton incroyable queue. Remettons-nous en route. Notre ami nous attend. On doit porter secours à Blaze. Les amis arrivent à la rescousse. Blaze, on est tout là-haut. Hey Jay, tu as réussi à me retrouver. Évidemment. Et d'autres amis sont venus m'aider à te sortir de là. Wow! Bonjour les animaux. Allez les amis, mettons-nous au travail. Jolie Luciole, avec ta lumière, peux-tu chercher une longue liane? Parfait! À toi de jouer! Tu as beaucoup de force dans ta trompe, alors tu vas tenir fermement la liane pour qu'on puisse descendre. C'est parti! À toi, petit singe! Tu m'aides à me balancer pour atteindre Blaze? Tu as réussi, AJ! Content de te retrouver dans le siège du conducteur. Merci, Blaze. Allez, on va te faire sortir de ce trou. Ça risque de ne pas être facile. Cette boue est vraiment très collante. Tu vas y arriver, Blaze. Il faut juste que je te donne un petit coup de pouce. Et ce coup de pouce, c'est la vitesse explosive. C'est quand tu veux. Je suis prêt, AJ. Pour atteindre la vitesse explosive, dis « Fonce, Blaze !» Fonce, Blaze! Yeah! Wouhou! Ouais! On assure! On a réussi! Oh! Oh non! Ça ne peut pas être!
Blaze. Oh, il ne doit pas remporter la course de l'île de lave. Je vais l'en empêcher avec mon meilleur piège de tous les temps. Mon robot pâtissier géant. Blaze, fais attention, un muffin géant. Oh, 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 oh. Il n'y a qu'un moyen de se débarrasser d'un gâteau aussi gros. On va utiliser nos pneus fabuleux. Eh oui, si on utilise le pouvoir grandissant, nos pneus deviendront super grands. Et avec des roues plus grandes que le muffin, on pourra rouler dessus et l'écrabouiller. Pour donner à nos pneus le pouvoir grandissant, dis pouvoir grandissant. Pouvoir grandissant. Et voilà. Attention Blaze, on va devoir écrabouiller un gâteau encore plus grand. Un énorme beignet à la myrtille. Wow, ce beignet fait 9 mètres de haut. Dans ce cas, nos pneus fabuleux doivent faire 10 mètres de haut. Compte avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du travail d'équipe. Et regardez, l'île de lave est toute proche. Oh oh, mes crocheurs est presque arrivé. Dépêchons-nous si on veut le rattraper avant la ligne d'arrivée. Il est temps d'utiliser la vitesse explosive. Pour me donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Blaze. Un écrou. Un jet de lave a détruit une partie du pont. Mince alors, il n'y a plus qu'une seule monster machine capable de franchir la ligne d'arrivée. Et devinez quoi? C'est moi. On ne peut pas laisser la victoire à Crusher. Et sans cette partie du pont, on ne pourra jamais atteindre l'île de lave. À moins qu'on puisse rouler directement sur la lave. Rouler sur la lave brûlante? Blaze, c'est impossible! Mais non, rien n'est impossible quand on est équipé de pneus fabuleux! Oui! Excellente réponse! Pour donner à nos pneus le pouvoir de rouler sur la lave, dis pneu spécial lave! Pneu spécial lave! Attention, île de lave! Nous voilà! Personne ne me dépassera avant la ligne d'arrivée. Et surtout pas Blaze, hein? Oh! C'est le fabuleux! Et je connais le meilleur moyen de fêter cette belle victoire. Le pouvoir de la fête. C'est parti. Amusons-nous. Charge électrique maximale. Génial. Oh, je vous ai trouvé épatante. Vous venez? On recommence. Essayez de me suivre. Ouais. Tu te débrouilles très bien, Gabi. Ah, ah, une chute de rocher. Fais attention. Ah,
roues qui se détachent. Oh non, ma roue! Est-ce que ça va aller? Je devrais m'en sortir. Enfin, une fois que j'aurai récupéré ma roue. Attends, Watts. Tu ne peux pas rouler dans cet état. C'est vrai. Ça va être difficile avec une roue en moins. Alors, comment je vais faire? Je vais te donner un coup de main. Je vais retrouver ta roue avec l'aide de Blaze et AJ. Tu as ma parole. Allons-y, les amis. Retrouvons vite cette roue. C'est parti! On y va! Bonne chance, les copains! Maintenant, soyons attentifs. Je suis sûre que la roue de Watts est tout près d'ici. Peux-tu nous aider à la trouver? Oui, la voilà! Plus vite, Blaze! Elle vient d'entrer dans la grotte! Entendu! Oh, c'est quoi ce bruit? J'ai l'impression que c'est... des ronflements. Des camions longue corne endormis! Il vaut mieux baisser la voix. Il ne faut surtout pas réveiller un camion longue corne qui dort. Regardez, on a retrouvé la roue de Watts. Oh oh, l'entrée du tunnel est bloquée par un camion longue corne. Pour suivre la roue, il faut trouver un moyen de passer derrière le camion. Il nous faut une machine suffisamment costaud pour soulever le camion qui nous barre la route sans le réveiller. On a besoin d'un camion-grue. Je suis maintenant un camion-grue Monster Machine. Wouhou! Ouais! Super! Il est temps de se mettre au travail. Pour soulever le camion longue corne, il faut placer le grappin juste au-dessus de lui. Pour arriver au-dessus du camion longue corne, faut-il déplacer le grappin dans la direction indiquée par la flèche rouge ou dans la direction indiquée par la flèche bleue? On suit la flèche bleue, c'est bien ça! Le grappin, c'est à toi! À grippe! On a déplacé le camion longue corne sans le réveiller. On y va, il ne faut pas traîner. Ah, voilà la roue de Watts. Nom d'un écrou. Ce camion longue corne se sert de la roue de Watts comme oreiller. On va devoir être encore plus prudent si on tient à récupérer la roue de Watts sans réveiller le camion. Pour soulever le dernier camion longue corne, quelle flèche faut-il suivre? La flèche rouge, bravo! Le grappin, c'est à toi, à grippe! Ah, ça y est, on peut enfin récupérer la roue de Watts! Ouais! On a la roue de Watts! Petite minute, si je me trompe pas, ce sont mes amis! Vous avez réussi! Vous avez retrouvé ma roue! Je te l'avais promis! Maintenant, je vais la remettre à sa place d'origine. Oui. Tu me passes des attaches? Rouler à nouveau. Merci, les amis. Tout le plaisir est pour nous. Tu vas beaucoup mieux et c'est tout ce qui compte pour nous. Hein? Tu entends? On dirait des sirènes de pompiers. Regarde! De la fumée! Allez, on va voir ce qui se passe. Non, d'un sapin! C'est un incendie de forêt! Heureusement, les pompiers sont là pour l'éteindre. Préparez-vous, messieurs les pompiers. Ouvrez les valves de vos lances. Ne vous arrêtez pas d'arroser. Pour une situation d'urgence aussi grave, nous devons être 5 camions de pompiers à travailler en même temps. Mes chefs,
On est seulement quatre pour l'instant. Il nous faudrait un camion de pompiers en plus. Tu entends ça? Il faut qu'on aille les rejoindre. Je sais exactement quoi faire. On va me transformer en camion de pompiers. Premièrement, on doit fabriquer une lance qui puisse tirer de l'eau. Pour fabriquer la lance, dis lance. Lance. Super. Maintenant, il nous faut une valve. Quand on ouvre la valve, l'eau peut couler dans la lance. Pour fabriquer la valve, dis valve. Valve. Génial. Pour finir, on a besoin d'une échelle télescopique qui nous permette de bouger la lance de haut en bas. Pour la fabriquer, dis échelle télescopique. Échelle télescopique. Ouais. Je suis un camion de pompiers Monster Machine. Trop top. Maintenant, on va aider l'équipe des pompiers. Camion de pompiers Blaze, à votre service, chef. Je suis prêt à vous aider à éteindre cet incendie. Bon, très bien. Voyons ce que tu as dans la carrosserie. Vite, aide-moi à ouvrir la valve pour que l'eau jaillisse du tuyau. Dis, ouvre la valve. Ouvre la valve. Oui, ça marche. On arrive à éteindre le feu. Super. C'était du très bon travail, les amis. On dirait bien que c'est fini. Oh non, chef! Il y a encore le feu là-bas! Et il se propage vers ces arbres. Ne vous inquiétez pas, chef. Je peux empêcher le feu de se propager avant qu'il n'atteigne les arbres. Je vais me servir de la vitesse explosive pour aller super vite. Je te fais entièrement confiance. Pour me donner de la puissance, il faut que tu dises « Fonce Blaze !» Dis-le avec moi. Fonce Blaze! Prêt à intervenir. On arrive bientôt à l'incendie. Aide-moi à éteindre le feu en l'arrosant avec ma lance à incendie. Quand tu vois le feu, dis feu. Feu. Joli coup. Maintenant, on va éteindre tous les feux. Dès que tu vois du feu, dis feu. On a sauvé tous les arbres et on a éteint l'incendie de forêt. T'es le plus fort. Je savais que tu pouvais le faire. Bravo, tu es un héros. T'es le meilleur. Bien joué, Blaze. Regarde, ton badge des pompiers. Tu as obtenu ta dernière étoile. Ouais, j'ai réussi. Toutes mes félicitations, Blaze. Tu nous as prouvé que tu pouvais gérer n'importe quelle urgence. Je te déclare officiellement pompier. Un vrai casque de pompier, rien qu'à moi! Merci, chef! Génial! On a réussi à éteindre le premier robot! Blaze! Par ici! Vite! Il faut qu'on aille aider Stripe, ces stars-là! Oliver, ce robot est affublé de 5 boutons. Alors pour l'éteindre, il va nous falloir 5 boules de neige. Moi j'ai 2 boules de neige. Et moi j'en ai 3. Est-ce que ça fait 5 boules de neige? Oui. Wouhou! Bataille de boules de neige. Ouais. Wouhou.
ne reste plus qu'un robot à éteindre. Et il est juste ici. Je peux vous dire qu'il jette beaucoup de boules, ce robot. Regarde, il possède 6 boutons. Donc pour l'éteindre, il va nous falloir 6 boules de neige. Tiens, j'ai déjà formé toutes ces boules. Est-ce qu'il y en a 6? Non, il n'y en a que 3. C'est qu'en avoir fait une de plus. Moi aussi. Est-ce qu'il y a 6 boules? Il n'y en a que 5. Et voilà, une boule de neige en plus. Est-ce qu'on en a 6 maintenant? Oui. Que tout le monde prenne une boule de neige et vienne avec moi. Éteindre tous les robots géants. Zeg adorait les batailles de boules de neige. Regardez. C'est Crusher. Chocolat chaud. Chocolat chaud. C'est pas vrai. Il va bientôt atteindre nos tasses. Il ne nous reste plus qu'une seule chance pour arriver au chocolat chaud avant Crusher. Mais il nous faut de la vitesse explosive. De la vitesse explosive, dit Fonce Blaze! Fonce Blaze! Je vais enfin pouvoir m'emparer de tous ces délicieux et succulents! Récupérer le chocolat chaud. Et il est toujours aussi chaud et délicieux. Zeg est tellement content de boire son chocolat chaud. Partons à toast. Aux amis super géniaux et aux journées enneigées super géniales. Tiens, regarde Blaze, il y a une tasse de chocolat chaud en trop. Moi, je sais à qui on va en faire cadeau. Coucou, Crusher. On t'a apporté quelque chose? Une tasse de chocolat bien chaud, rien que pour toi. Rien que pour moi? Mais vous ne m'en voulez pas d'avoir fait toutes ces choses pas très gentilles? Non, on te pardonne, Crusher. Souviens-toi d'une chose, c'est toujours plus drôle de partager avec ses amis. Ça alors, merci. Du chocolat chaud. Oh, c'est tellement succulent, tellement exquis, tellement délicieux. Je suis Robo Blaze. Tu es prêt, Jay? On va arrêter ces robots ravage-tout et sauver Motor City. Ne perdons pas une minute. Robots en action. Wouhou. Oui. Robots en action. On est des machines fantastiques, des merveilles de technologie. On traite des tas de données grâce au pouvoir de nos circuits. Parfaitement programmé. Venez! On va vous aider, mais aussi s'amuser. Robot en action. Robot héroé. Toujours partant. Robot en action. Toujours partant. Robot en action. Oui! Robot en action. Oui! Robot héros. Nom d'un pneu! Trouvé. C'est le robot casse-tout.
Ces ondes puissantes démolissent tout sur leur passage. On doit élaborer un plan pour arrêter ce dangereux robot. Écoutez, j'ai un plan. Gabi! Ça nous fait drôlement plaisir de te voir. Vas-y, on t'écoute, Gabi. Quel est ton plan pour arrêter le robot casse-tout? Regardez ça. Ce robot a une ouverture dans le ventre qui lui permet d'envoyer de puissantes ondes concentriques. Mais si on réussit à boucher cette ouverture, il ne pourra plus émettre d'ondes. Hé! Je parie que ce pneu pourrait boucher l'ouverture. Merci, mini-robot. Allez, les amis, on va arrêter ce robot casse-tout une bonne fois pour toutes. Robot en action! La force exercée par les ondes qu'envoie le robot casse-tout est de 9. Et ma force à moi est de 5. Quel chiffre est le plus grand? 5 ou 9? 9, oui! Les ondes qu'envoie le robot sont plus puissantes. Pour acquérir plus de puissance, on doit courir plus vite. Très bien, c'est parti! Regarde, ma force a augmenté, elle est de 7. La force exercée par les ondes du robot est de 9. Quel chiffre est le plus grand? 7 ou 9? 9! Ça veut dire que les ondes du robot casse-tout sont toujours plus puissantes! On doit le mettre hors d'état de nuire! Si seulement il y avait un moyen d'aller encore plus vite! Hé! Je viens d'avoir une idée! Je crois que c'est le moment de passer en vitesse explosive! Ouais! Pour que Robot Blaze atteigne la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Regarde! Ma force a augmenté! Elle est de 10! Et la force exercée par le robot est de 9! Quel chiffre est le plus grand? 10? Ou 9? 10! Ça veut dire que c'est moi qui ai le plus de puissance! Ouais! Waouh, on a assuré! Tu viens de mettre 3 robots ravage-tout hors d'état de nuire et tu as sauvé Motor City. Souhaites-tu faire un commentaire? Je voudrais simplement dire à tous que si un jour vous avez des ennuis, vous pouvez compter sur moi pour vous aider. Je suis Robot Blaze! Bienvenue à la colonie de la famille Nickel. On n'est jamais aussi bien que chez soi. Car nous sommes foufous, choupignons et solidaires. Ben. Moi, je suis Ken. Et moi, c'est Sven. Nous, ce qu'on adore, c'est être de corvée. Je vous présente mes sœurs. Lily. Prélie. Finissons vite le goûter, nous attend. Bienvenue à la colonie de la famille Nickel. On sait toute génération confondue. Car nous sommes joyeux, chatouilleux. Je viens d'attraper le plus gros poisson bleu que j'ai jamais pêché. Pardon! J'en crois pas mes mirettes. Mais plutôt des lunettes. Ça t'évitera bien des déconvenues. Oups! Bienvenue à la colonie de la famille Pickle. On n'est jamais aussi bien que chez soi. Car nous sommes sincères, pas sectaires. Et avant tout solidaires. Pickle, fantastique, pickle, heureux, pickle, énergique pour les...
toute la journée, toute la nuit, tout... Je suis là. Oh, ça a été vite. Il est sûrement dans cette grotte, celle qui est sous cette drôle de montagne. Ce n'est pas une montagne, c'est un volcan. Oh, eh bien moi, ça m'est égal que ce soit un volcan. J'irai quand même là-dedans pour le sauver. Et tout ça avec l'aide de Blaise. Ça c'est bien dit, Beagle. Oh, comme je suis content de te voir. Je trouve que ce rocher a quelque chose d'extrêmement bizarre. Dis, papy, essaie donc de mettre tes lunettes. Pourquoi? Oh, maintenant je comprends. Le rocher est en train de s'effondrer. Oh non, papy! Il pèse beaucoup trop lourd. Le rocher ne résistera jamais. Il faut qu'on aille jusqu'à lui et qu'on le sauve de là. Vite, utilisons mon câble pour nous élancer par-dessus la lave jusqu'à ces rochers. Mais attention, seuls les rochers les plus résistants pourront supporter notre poids. Aide-nous à trouver le rocher le plus costaud. Ici, il s'agit du rocher le plus gros. Quel rocher est le plus gros? Celui-là. Ouais. Prêt, Pickle? Oh oui! S'effondre pas. On a choisi le plus résistant. Pour la dernière étape, on doit aller sur le plus gros rocher sans fissure. Quel est le plus gros rocher sans fissure? Celui-là. Ouais. J'arrive tout de suite, papy. Tu m'as sauvé, mon petit Beagle. Oh, je suis tellement fier de toi. Oh, merci, papy. Et maintenant que tu es en sécurité, on va pouvoir faire un feu de camp et griller des marshmallows. Je crois que tes marshmallows me font très envie. Tu entends le boucan que fait mon ventre? Arrête de faire le clown. C'est pas ton ventre qui gronde. C'est le volcan qui entre en éruption. Le volcan qui entre en éruption. Il faut qu'on sorte d'ici et qu'on fasse très vite. Tenez bon, les amis. Je vais nous emmener loin du volcan avec ma vitesse explosive. Wow. Pour me donner la vitesse explosive, dis... Fonce, Blaze. Fonce, Blaze. Une seule pierre à retrouver, ma pierre précieuse rouge, et je retrouverai enfin tous mes pouvoirs magiques. Je me demande où elle a atterri. Vous savez quoi? Je vais activer ma visière pour voir où elle est. Allez, je passe en mode projection. Elle doit être quelque part dans cette oasis. Dès que tu vois la pierre précieuse rouge, dis pierre précieuse. Pierre précieuse. J'arrive tout de suite, pierre précieuse! Je vais utiliser ces nénuphars pour traverser cette étendue d'eau. Oh, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est un nénuphar volant. À la kazoom, c'est un crocodile! Je vais te sortir de là! Oh. Ouf. Merci, Blaze. Ah, comment va-t-on récupérer la dernière pierre précieuse si l'eau est infestée de crocodiles? J'ai remarqué un détail. Regardez, certains de ces nénuphars sont identiques des deux côtés. Ils sont symétriques. Mais les crocodiles n'aiment pas les nénuphars symétriques. Ils se cachent sous ceux qui ont des côtés différents. Donc, si on veut éviter les crocodiles, il suffit de sauter sur les nénuphars qui sont parfaitement symétriques. Oui, aide-nous à choisir. Lequel de ces nénuphars a deux côtés identiques? Celui-là, oui, ces deux côtés sont symétriques. Suivez-moi, les amis.
Génial! Aucun crocodile sous celui-ci. Trouvons maintenant notre prochain nénuphar. Lequel de ces nénuphars est identique des deux côtés? Celui-là! Tu as raison! Wouhou! Ouais! Encore un bon choix! Un tout dernier saut et je serai assez proche pour pouvoir récupérer ma pierre rouge! Regarde attentivement. Lequel de ces nénuphars est symétrique? Celui-là! Oui! Ces deux côtés sont parfaitement identiques! Ouais! On a réussi! On dirait bien que je peux enfin attraper ma pierre précieuse rouge! Bravo! Ça a l'air de te faire plaisir! Génie, on va devoir régler un dernier problème! Oh! Lequel? On dirait que les crocodiles tiennent à cette pierre précieuse! Oh, non! Ne t'en fais pas, Génie. On va repartir de cette petite île à toute vitesse, grâce à la vitesse explosive. Oh, fantastique! Pour qu'avec le génie, on passe à la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! À la prochaine, les crocodiles! J'ai enfin pu récupérer toutes mes pierres précieuses magiques. Oh, vraiment merci Blaze et AJ. On t'a aidé avec plaisir. Allez Génie, il est temps de remettre cette dernière pierre précieuse à sa place. Tu as raison, il est grand temps. À la casse, mes pouvoirs magiques sont de retour. C'est génial. Résultat, je peux à nouveau exaucer n'importe quel vœu. Super. Alors, quel vœu on pourrait faire? Quel que soit le choix qu'on fera, il faut que ce soit grand. Grand? D'accord, c'est noté. Et amusant. Et super amusant. Et que ce soit quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Oh, oh, je crois que j'ai trouvé. À la casse! Wow! C'est un gâteau géant avec un circuit dessus. C'est un gâteau circuit automobile. Comme ça, vous pouvez faire des courses et manger en même temps. À la casoum! Oh, ouais! À vos marques! Ouais! Partez! Faites un vœu, je l'exaucerai. C'est la tour de Crusher et Pickle. Génial! On est presque arrivé. Hein? C'est toi qui as fait ce bruit, Stripes? Non, ce n'était pas moi. C'est toi qui as fait ce bruit, Starla? Pas du tout, monsieur. Est-ce que c'est toi qui as fait ce bruit, le mouflon? Le mouflon? C'est le tunnel d'un mouflon. Oh mince, inutile de retourner dans ce tunnel puisque le mouflon va encore nous repousser dehors. Sauf si on le pousse plus fort. Mais qui pourrait pousser plus fort qu'un mouflon? Moi je peux le faire, je suis un bulldozer, la plus puissante des machines qui permet de pousser. Yeah! Vas-y, fonce Blaze le bulldozer. Poussons à fond! Aidons Blaze, le bulldozer, à pousser plus fort que le mouflon. Le mouflon pousse avec une force de 2. Il nous faut donc une force supérieure à 2. Quel chiffre est supérieur à 2? 1 ou 4? 4, c'est ça! Ouais. Nom de nos
Oliver, voilà le plus grand des grands frères de ce grand mouflon. Vite, il faut qu'on aide Blaze à réunir un maximum de force de poussée. Les mouflons poussent avec une force de 9. Lequel de ces nombres est supérieur à 9? 10. Eh oui. Poussons à fond. Ouais. Tu as réussi, Blaze. Tu nous as permis de traverser le tunnel. Maintenant, on va pouvoir sauver Crusher et Pickle. Super constructeur, super sauveur. Faut qu'on trouve un moyen pour faire descendre Crusher et Pickle. Vite, dessinons un plan. Et si on faisait quelque chose de grand et d'incliné pour qu'ils puissent glisser du haut de la tour? On va bâtir un super toboggan géant. Arrête! Dépêchons-nous, les amis. On ferait mieux de construire ce super toboggan super vite. On va se servir de la vitesse explosive. Youhou! De la vitesse explosive, dit Fonce Blaze! Fonce Blaze! C'était avec plaisir. Et c'est la preuve que quand on a de super coéquipiers, plus rien ne peut nous résister. Nom d'un écrou. On voit l'incendie d'ici. Il faut qu'on se dépêche d'arriver là-bas. J'ai besoin de vous pour atteindre la vitesse explosive afin de rejoindre les soldats du feu le plus vite possible. Pour me faire passer la vitesse explosive, dis Fonce Blaze. Fonce Blaze. Pompiers, nous arrivons! La sirène sonne, nous on décolle, car le temps presse, quelqu'un est en détresse. Être un héros, c'est du boulot, la nuit, le jour, nous on porte secours. Ça va chauffer, chauffer, il suffit de nous appeler. Ça va chauffer, chauffer, tout va s'arranger. Nous on aide les gens, quel que soit le moment, même quand ça sent le roussi, nous on sauve des. Ça va chauffer, chauffer, ça va chauffer, chauffer, ça va chauffer. Voilà, continuez comme ça. Projetez de l'eau, mes amis. Regardez, c'est Blaze. Génial, il est venu. Super. Pompier Blaze au rapport, on est prêt à vous aider. Heureux que vous soyez là, mais ne traînons pas. Allons éteindre cet incendie une bonne fois pour toutes. Ouais, allez, allez. Ouais, au boulot. Est-ce que vous êtes prêts à utiliser vos lances? Oui, chef. Ouais. Waouh, génial. Ouais. Ouais. Bon, j'ai un petit souci, j'ai plus une seule goutte d'eau. Non, moi non plus. Oh! Nom d'une durite, moi non plus, je n'ai plus d'eau en réserve. Oh, mais c'est pas vrai. Plus personne n'a d'eau. C'est pas bon signe. Qu'est-ce qu'on va faire, chef? Il nous faut un plan. Pour éteindre cet incendie, il faut qu'on trouve de l'eau quelque part, et sans attendre. Blaze, regarde juste là, ces cuves sont pleines d'eau. Bien vu, AJ. Ne bougez pas de là, les amis. On revient tout de suite. Revenez vite.
Pour éteindre cet incendie, on a besoin de toute l'eau qu'on peut avoir. Je vais utiliser ma visière pour voir laquelle de ces trois cuves contient le plus d'eau. Voyons voir ce que ma visière me dit. Visière, montre-nous quel volume d'eau est contenu dans chaque cuve. Cette cuve contient 50 mégalitres d'eau. Cette cuve en contient 100. Et celle-là en contient 70. Quel nombre est le plus grand? 50, 100 ou 70? C'est 100, oui! Ça veut dire que c'est cette cuve qui contient le plus d'eau. Elle a donc le plus gros volume. Vite, AJ! Relie notre lance à incendie à cette cuve! Tout de suite, Blaze! Ça y est, tu as à nouveau de l'eau! Génial! T'es prêt à y retourner? On va se servir de toute cette eau pour éteindre ce feu une bonne fois pour toutes! Yeah! Regardez, chef! Blaze est de retour! C'est exact! Et cette fois, j'ai suffisamment d'eau pour éteindre l'incendie! Ouais! Fantastique! Bien, que tout le monde recule! Laissons Blaze intervenir! Je suis certain que tu vas y arriver! Est-ce que tu es prêt, Jay? Je suis prêt! Il faut qu'on vienne à bout de ce feu! On est tous avec vous! Faites attention! On déploie l'échelle! Et on actionne la lance à incendie! Ça va chauffer! Chauffer! Suffit-nous, Zafé! Ça va chauffer! Chauffer! Tout va s'arranger! Nous, on aide les gens, quel que soit le moment! Même quand ça sent le roussi, nous, on sauve des vies! Ça va chauffer! Chauffer! Yeah! Ça va chauffer, chauffer, yeah, yeah, yeah. Ça va chauffer. Ouais. On a réussi, Blaze. Le vieux pont est sauvé. Remarquable. L'incendie est éteint. Vous venez de livrer l'un des combats les plus difficiles que j'ai jamais vus. Merci, chef. Vous pourrez toujours compter sur nous. Tapez-moi. Yeah. Cette lave qui bouillonne! On doit être dans le cœur d'un volcan! Là-bas! La batterie de Gormy! Elle a atterri complètement de l'autre côté! Oh mince! Comment va-t-on l'atteindre avec toute cette lave? Gormy! Très bien pensé, Gormy! On peut sauter par-dessus la lave grâce à ces tremplins! Oui! Il nous faut juste trouver le tremplin qui nous donnera la bonne trajectoire! Rappelle-toi! C'est la direction que prend un objet qui se déplace. Bien, essayons de trouver le tremplin qui nous amènera sur le rocher là-bas. Voyons voir. Si on utilise le tremplin blanc, nous nous déplacerons dans les airs avec cette trajectoire. Et avec le tremplin bleu, nous aurons cette trajectoire. Quel tremplin nous mènera au rocher? Le tremplin bleu, oui! Il nous donnera la bonne trajectoire. Par ici, Gormy! Suis-nous! Génial! Joli saut, Gormy! Maintenant, cherchons un tremplin qui nous mènera sur ce rocher là-bas. Si on utilise le tremplin violet, on se déplacera avec cette trajectoire. Alors qu'en utilisant le tremplin vert, on aura cette trajectoire. Quel tremplin nous mènera au rocher? Le tremplin violet, oui! Ok, Gormy, c'est parti! Wouhou! Ouais! On a réussi! Gormy! C'est exact, Gormy! Plus qu'un seul saut et on pourra atteindre la batterie! Voyons voir. Si on utilise le tremplin bleu, on aura cette trajectoire. Si on utilise le tremplin rose, on aura cette trajectoire. Et si on utilise le tremplin jaune, on aura cette trajectoire. Quel tremplin nous mènera au rocher? Le tremplin jaune, oui! Vous êtes prêts? Trajectoire! Oui! On a eu la dernière batterie! Oh oh! Ça n'annonce rien de bon! Je crois que ce volcan est sur le point d'entrer en éruption! Regarde!
Cormy a vu une sortie. Mais elle est tout là-haut. Grimpe, Cormy. Je vais nous amener là-haut très vite, avec la vitesse explosive. Pour nous donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Wouhou! On a réussi! Voilà, Cormy! Avec cette dernière batterie, tu vas pouvoir t'envoler et rentrer voir ta famille. Prêt à la mettre dans ton jetpack? C'est parti! Regarde, ça fonctionne! Toutes les batteries donnent au jetpack sa pleine puissance! Il vole! Cormy! Cormy! Oh, qu'est-ce qui se passe, Blaze? C'est l'énergie du jetpack de Cormy! Elle nous fait voler, nous aussi! Je crois que Cormy veut qu'on vienne dans l'espace avec lui pour qu'on voit sa maison. Ça m'a l'air chouette, Cormy. On te suit. Cormy! La famille de Cormy est tellement contente de le revoir. Les animaux. Les animaux. Ah, où sont-ils passés? À l'aide, Stripes. Hé, hey, je viens d'entendre les petits pandas. Je crois qu'ils sont de ce côté, dans la fête foraine. Aide-nous à les retrouver. Quand tu vois les pandas, dis panda. Panda. Ne vous inquiétez pas, on arrive! Stripes! Au secours! Regardez, il s'agit de Petey. Mais il est très très haut. Comment va-t-on le faire descendre? Hé, hey, moi j'ai une solution. Et si on se balançait pour l'atteindre grâce à ce bateau pirate? Super idée! J'appuie sur ce bouton pour le mettre en marche. Ça alors, le manège ne veut pas démarrer? Je vois pourquoi. Il manque des engrenages pour qu'il fonctionne. Des engrenages? C'est quoi un engrenage? Un engrenage est une roue avec plein de petites dents. Ces dents permettent aux engrenages de s'entraîner entre eux. Un moteur utilise sa puissance pour faire tourner un premier engrenage et cet engrenage en fait tourner un second qui en fera tourner d'autres à son tour jusqu'à ce que la puissance parcourt toute la machine et lui permette de se balancer. Regardez, il y a des engrenages ici. Utilisons-les pour réparer le manège. Oui, pour réparer le manège du bateau pirate, on va avoir besoin de 3 engrenages. Y a-t-il 3 engrenages? Non, il n'y en a que 2. Ah, faites vite! Attendez, j'en ai trouvé un autre. On a 3 engrenages maintenant? Oui! Ça fonctionne! Le moteur fait tourner les engrenages et le bateau se balance! Ouais! Wow! Et de là! Tu l'as sauvé! Oh, merci, Stripes! À l'aide! Là-haut, il y a la petite Peggy, près de la grande roue! Oh, Stripes! Mais il manque aussi des engrenages à la grande roue! Il faut la réparer pour aller sauver Peggy. Elle a besoin de 4 engrenages pour fonctionner. Justement, voilà d'autres engrenages. Y a-t-il 4 engrenages? Oui, il y en a 4. Génial. Ouais! Ouais! Et de deux! Il
ne nous reste plus qu'un seul panda à sauver, le petit Polly. Wow. Hé, hey, regardez, sa bulle flotte jusqu'au manège de la fusée. Wow. Et on dirait qu'il va falloir trouver 5 engrenages pour réparer ce manège. Ah, je vois des engrenages. Est-ce que tu en vois 5? Non, il n'y en a que 3. J'ai trouvé un autre engrenage. Est-ce que ça en fait 5 en tout? Toujours pas. Ah, bon, et maintenant? A-t-on 5 engrenages? Oui! Merci beaucoup. Merci. Merci. Oh, mais c'est normal, petit panda. On est heureux de vous retrouver. Baby sitting, ooh ooh ooh. Baby sitting, ooh 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 ooh. Baby sitting, ooh ooh ooh. Baby sitting, ooh ooh ooh. La montgolfière n'est plus très loin. Mais elle survole cette autre étendue d'eau. Il faut qu'on trouve le moyen de la traverser, elle aussi. Et en vitesse. Je sais ce qu'il nous faut. Le bateau le plus rapide au monde. Un hydroglisseur. Oui. Tu veux bien m'aider à me transformer en hydroglisseur? D'abord, j'ai besoin d'une coque planante. Elle permet à l'hydroglisseur de se maintenir à la surface de l'eau. Pour la fabriquer, dis coque planante. Coque planante! Maintenant, j'ai besoin d'une hélice. Quand l'hélice tourne, elle pousse le bateau vers l'avant. Pour fabriquer l'hélice, dis hélice! Hélice! Enfin, j'ai besoin de 2 puissants moteurs pour que notre hydroglisseur aille super vite. Pour fabriquer ces moteurs, dis moteur! Moteur! Je suis un hydroglisseur Monster Machine. Waouh. Grimpe vite, AJ, et appuie sur l'accélérateur de l'hydroglisseur. C'est parti. Qui pourrait avoir l'idée de nous lancer des boulets de canon? Je crois avoir deviné qui. Ce sont des pirates! Morbleu! Yeah! Goûtez à ce boulet de canon! Oh! Ouh! Ces pirates adorent couler des bateaux, on dirait! Eh bien, nous, ils ne nous couleront pas, parce que je viens d'avoir une idée. Regardez, vous voyez ce rocher dans l'eau? Il a la forme d'un tremplin. C'est vrai. Si l'hydroglisseur arrive suffisamment vite sur le tremplin, on sautera par-dessus le bateau pirate. Tu es prêt? Il est temps de se lancer. Je vais activer la vision compteur de vitesse. Pour sauter par-dessus ce bateau pirate rouge, il faut que notre vitesse soit égale à 30. On va compter de 10 en 10 jusqu'à 30. Répète après moi. 10. 10. 20. 20. 30. 30. Wouhou! Bien joué! On a sauté par-dessus le bateau pirate rouge! Yeah! Oh non! Crusher et Pickle vont percuter le volcan de Slime! Non, d'une durite! Si on veut arriver à temps, il faut qu'on roule plus vite! On va augmenter notre vitesse pour atteindre le nombre 100. On va aller jusqu'à 100. Wouh! On n'a encore jamais atteint cette vitesse. Mais on peut le faire parce qu'on a la vitesse explosive. Pour nous donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze. Fonce Blaze. Observons le compteur de vitesse pour vérifier qu'on roule à la bonne vitesse. Est-ce que l'aiguille du compteur indique le nombre 100?
est sorti. Oh, merci, merci, merci. Oh, mais je t'en prie, Pickle. Blaze, je suis tellement content que je vais te faire un câlin poids lourd. On est heureux de vous avoir aidé. C'est parti, passons à la construction. D'abord, on doit fabriquer la remorque. C'est la partie qui va recueillir tous les objets qu'on va transporter. Pour fabriquer la remorque, dis remorque. Remorque. Maintenant, on a besoin de pneus jumelés. Ce sont des pneus spéciaux qui peuvent tirer d'énormes remorques. Pour fabriquer les pneus jumelés, dis pneus jumelés. Pneus jumelés. Enfin, on a besoin d'un moteur diesel très puissant qui va donner beaucoup de force aux semi-remorques pour tirer de lourdes charges. Pour fabriquer ce moteur diesel, dis moteur diesel. Moteur diesel. Oh ouais, je suis un semi-remorque Monster Machine. Super fort! Et je me sens super fort! Allez, grimpe vite, camionneur AJ! J'arrive! On a la grande fête des animaux à sauver! Oh oh, Blaze, tu entends toi aussi? On aurait dit. Le pirate mouflon! Et lui aussi, il veut la grande roue! Et cette fois-ci, il n'est pas venu tout seul! Il est venu avec tout son équipage! C'est pas vrai! Il essaye de nous pousser en bas pour qu'on ne puisse pas atteindre la grande roue! Eh bien, il n'arrivera pas à nous empêcher de gravir cette montagne! Parce que rien n'arrête un semi-remorque! Tu vas voir! Pour pousser plus fort que ce mouflon, on va augmenter ma force de poussée pour qu'elle soit égale à 6! Compte jusqu'à 6 avec moi! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fonctionne. Maintenant, tu vois que je pousse plus fort que le pirate mouflon. Mais un autre pirate vient aider son copain à pousser. Pousser plus fort que ces deux pirates mouflons, j'ai besoin de plus de force. J'ai besoin d'une force égale à 11. Compte jusqu'à 11 avec moi. On reprend à 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu vas réussir, Blaze. On est presque arrivé à la grande roue. Le seul problème, c'est qu'il reste un autre mouflon. Pour pousser plus fort que ces trois pirates mouflons rassemblés, il me faut plus de force que jamais. Une force égale à 17. Compte jusqu'à 17 avec moi. On reprend à partir de 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Semi-remorque, emporte-tout. On a récupéré la grande roue. Tout le matériel nécessaire à la grande fête des animaux est chargé et prêt à partir. On va utiliser la vitesse explosive du semi-remorque. Pour me donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Blaze. We'll be right back.
merci, semi-remorque Blaze. Tu as sauvé ma grande fête des animaux. Blaze, regarde. Droit devant, une mare de boue. Et Zeg est coincé au milieu. Zeg, toujours coincé. Le pauvre. Il faut vraiment se dépêcher d'aller le sortir de cette mare. Et comment? Utilisons la vitesse explosive pour arriver là-bas en un rien de temps. Pour me faire atteindre la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Blaze. On vient te sortir de là. Mais Blaze, comment faire pour aller le secourir? On ne peut pas rouler sur la boue. Ou on va se retrouver embourbé nous aussi. Je sais. On peut imaginer une solution. On doit inventer quelque chose qui nous permette d'aller secourir Zeg sans qu'on ait à toucher la boue. Attends. Et si tu avais de grandes ailes, comme celles des camions dactyles, tu pourrais voler jusqu'à Zeg et le sortir de là. Oui. Trouvons le moyen de me fabriquer des ailes afin que je puisse voler comme un camion dactyle. Pour notre invention, on va avoir besoin d'armatures pour donner aux ailes leur forme. Pour faire des armatures, dis armature. Armature. Bien. À présent, on doit recouvrir les ailes d'un voile en tissu très fin. Ce voile en tissu très fin va permettre de pousser l'air afin que l'on puisse voler. Pour le fabriquer, dis voile en tissu très fin. Voile en tissu très fin. Je suis un camion dactyle, monster machine. Tes ailes sont très belles. Allons vite les tester. Wouhou! On vole, AJ. Trop cool. Notre invention fonctionne. Maintenant, allons récupérer Zeg. Yeah. Des bulles de boue. Attends, est-ce qu'il vient de dire bulle de boue? Wow, on ferait bien de rester loin de ces bulles de boue toutes poisseuses. Aide-moi à les contourner afin qu'elles ne me rentrent pas dedans. Dès que tu vois une bulle approcher, dis « bulle de boue ». Bulle de boue ! Jolie figure acrobatique ! Tiens-toi prêt, d'autres bulles se rapprochent. Dès que tu en repères une, dis « bulle de boue ». Bulle de boue ! Bulle de boue! Bulle de boue! Bulle de boue! Bulle de boue! Blaze, regarde! Zeg est juste en dessous de nous! On arrive! Accroche-toi! Blaze! Toi voler? Et maintenant Zeg voler aussi! On a réussi! Te voilà tiré d'affaire! Et tu as vu? En bas, il y a tous tes copains dinosaures! Ouais! Coucou, copains dinosaures! Zeg aussi heureux de revenir. Merci à Blaze et AJ. Eux êtes mes sauveurs. Rien de plus normal. Qu'est-ce que tu fais, Blaze? Tu ne viens pas?
Écoute, je voudrais bien, mais je sais pas pourquoi, j'arrive plus à avancer. Ne t'inquiète pas, je peux te réparer. Je suis mécanicienne, je connais parfaitement les camions et leur système. Un système, ce sont des pièces qui ensemble accomplissent une mission. Je vous montre. Analyse de système. Là, on peut voir les différents systèmes à l'intérieur de Blaze. Ici, on voit le système de direction dont les pièces permettent d'orienter les roues pour que Blaze puisse tourner. Maintenant, le système de freinage dont les pièces permettent à Blaze de s'arrêter. Puis, le système moteur dont les pièces produisent de la puissance pour le moteur. Et enfin, voici le système de carburant dont les pièces acheminent le carburant jusqu'au moteur. Regarde, c'est ici que se situe le problème. La pompe à carburant de Blaze est cassée. Elle ne parvient plus à alimenter le moteur en carburant. Tu vas pouvoir me réparer, Gabi? Bien sûr que je vais pouvoir le faire. Et voilà, tu es comme neuf. Répare tout. Bien outillé, toujours souriant. On résout les problèmes en un rien de temps. Les mécaniciens réparent tout, réparent tout. Les mécaniciens réparent tout, réparent tout. On est en route, on va pas tarder. Oh oui, que soit la panne, on va s'en charger. Les mécaniciens réparent tout, réparent tout. Les mécaniciens réparent tout. Allez, oh, impossible de m'arrêter. Je devine pourquoi il n'y arrive pas. Analyse de système. Quelque chose cloche avec son système de freinage. Tu vois, ses plaquettes de frein sont cassées. Elles ne peuvent plus empêcher les roues de tourner. Aidez-moi, par pitié! Ça va aller, chevalier! L'équipe des mécaniciens arrive à la rescousse! Attendez, où est passé le chevalier? J'imagine qu'il a dû emprunter un de ces deux tunnels. Mais lequel il a choisi? Aucune inquiétude, Blaze. Mais c'est le roi? En effet, et j'ai vu où le chevalier est passé. Il a choisi le tunnel dont le drapeau est orné de deux ronds identiques. Un drapeau qui a deux ronds identiques? Jetons un coup d'œil. Sur lequel de ces drapeaux voit-on deux ronds? Celui-là, oui! Super! Le chevalier a donc choisi ce tunnel. Suivez ce chevalier! Tu as vu, Blaze? Deux autres tunnels. Je me demande par où le chevalier est passé. Hey! J'ai vu le chevalier. Il a pris le tunnel avec le drapeau qui a deux carrés. Quel drapeau a deux carrés? Celui-là, exact! Regardez! Le chevalier est devant! Est-il passé ce coup-ci? Blaze! Blaze! C'est une princesse! J'ai vu le chevalier. Il a choisi le tunnel dont le drapeau a trois triangles comme motif. Alors regardons. Quel drapeau a un motif avec trois triangles? Celui-là! Oui! Merci, princesse! Le chevalier est là! Rattrapons-le pour le réparer une bonne fois pour toutes. Oui, et il faut se dépêcher ou il terminera sa course dans cette douve pleine de boue. Allez, l'équipe des mécaniciens, il est temps d'utiliser la vitesse explosive. Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Blaze. Juste le ciel! J'ai pu m'arrêter! Non! Tu as réussi, Gabi! Je suis comme neuf! Je suis réparé, 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 réparé! Je suis réparé, réparé! Super réparé, travail réparé. D'équipe! On a réussi! Oui! Oh, zut,
Si j'ai entendu Uzik, je crois bien qu'il s'agit du roi. Quelle misère, je ne vois toujours rien à cause de cette couronne qui me cache les yeux. Pauvre roi, il n'arrête pas de se cogner dans les arbres, dans les rondins de bois. Et de... Oh non, il est tombé dans un piège. Zik-Zik, qui pourrait vouloir tendre un piège au roi? Hein? Moi, je pense savoir qui. Les mouflons barbares, bien sûr. Et regardez avec quoi ils sont revenus. Un canon. Wow! Zik-Zik! Ne t'inquiète pas, Zik. On va trouver un moyen d'éviter ces tirs de canon. Et pour ça, il nous faut un plan. Oui, réfléchissons. Les canons tirent des boulets qui sont en métal. Et les particules du métal sont tellement serrées que les boulets sont pratiquement impossibles à casser. Mais si on fait chauffer le métal, les particules vont bouger et s'éloigner les unes des autres jusqu'à ce que le métal fonde. Très bonne analyse, AJ. Si seulement on avait avec nous quelque chose de super chaud pour faire fondre tous ces boulets de canon. Zik, mais bien sûr, Zik, tu penses pouvoir faire fondre ces boulets de canon grâce à ton feu? Zik. Génial! Tu es un petit dragon très valeureux, tu sais. Allez, grimpe vite, parce que nous avons un roi à sauver. Chevalier, chargez! Zik! Attention, les boulets arrivent! Tu m'aides à compter combien il y en a? Allons-y. 1, 2, 3. Maintenant, demandons à Zik de détruire tous les boulets avec son feu. Dis, 3 boulets pour Zik. 3 boulets pour Zik. Zik. Zik, ça fonctionne. Attention, chaud devant. Wow! Ils n'ont jamais envoyé autant de boulets de canon d'un coup! Compte-les avec moi! 1, 2, 3, 4, 5, 6! 10, 6 boulets pour Zik! 6 boulets pour Zik! Wouh! Plus rien maintenant ne nous empêchera d'aller sauver le roi! Hurrah! Me voilà libre! Oh, si seulement je pouvais voir qui est mon sauveur! Zik! Zik! Oh, tu es vraiment le meilleur animal de compagnie que roi puisse avoir! Et bien évidemment, je dois aussi grandement vous remercier, Blaze et Edgy. Et je déclare solennellement que vous êtes sans conteste les plus valeureux chevaliers de toute la région. Zik! Attendez un instant, les mouflons barbares, j'ai un mot à vous dire. Vous avez été plus que turbulents aujourd'hui. Je crois qu'il serait bien que vous vous excusiez. Bien, excuse acceptée. Et maintenant que la hache de guerre est enterrée, je pense qu'il est l'heure de faire la fête. Ouais. On est en train de nous appeler. Oh, c'est le raton pollueur. Vous me cherchez? Eh bien, désolé Blaze et AJ, mais il est trop tard. Car comme vous le voyez, j'ai apporté ma machine à polluer juste ici, au sommet du plus haut bâtiment de Motor City. Le plus haut bâtiment de Motor City?
Mais pourquoi tu as fait ça? Oh, c'est très simple. De là où je suis, je peux envoyer mes déchets à travers toute la ville. Il me suffit juste d'appuyer ici pour activer le mode super méga pollueur. Maintenant, ma machine est remplie de déchets et je l'ai programmée pour exploser dans 60 secondes. Seulement 60 secondes? On doit se dépêcher et arrêter cette machine. Nom d'une durite! Il y a un mur devant nous! On doit utiliser le pouvoir du recyclage pour le franchir. Cherchons des boîtes de conserve comme ça pour qu'on en fasse une boule de démolition et qu'on puisse détruire le mur avec. Regarde attentivement. Si tu vois des boîtes de conserve, dis « conserve ». Conserve! Le pouvoir du recyclage! Ouais! Blaze, regarde! C'est la machine à polluer! Droit devant nous! Vous n'arriverez jamais à temps! Il ne vous reste que 16 secondes pour l'atteindre! Allez, on doit trouver un moyen pour nous rendre là-haut! Vite! Hey, nous devrions recycler et transformer ces cartons en ailes! Comme ça, on pourrait voler jusque là-haut! Si tu vois des boîtes en carton, dis carton! Carton! C'est le pouvoir du recyclage! Quatre, trois, deux, quoi? Ouais! Plus aucune bouteille, plus aucune conserve, plus aucun pollueur. Oh, ne pleure pas, ton pollueur. Mais oui, tu peux faire tellement plus avec des déchets que simplement les jeter par terre. C'est vrai? Comme quoi? Comme récupérer tous ces vieux trucs et les transformer en objets tout neufs. C'est ce qu'on appelle le recyclage. Tiens, regarde, je vais te montrer le pouvoir du recyclage. Waouh! Tu as transformé tous ces vieux cartons, bouteilles et boîtes de conserve en un circuit de course flambant neuf. C'est vraiment incroyable! Oh, Blaze, AJ, je vous demande pardon pour les déchets que j'ai jetés. Mais je promets de ne jamais recommencer. Parce qu'à présent, je serai un recycleur. Génial! Bonne décision! Bien, que diriez-vous d'aller profiter de ce tout nouveau circuit de course recyclé? C'est parti! Oui! Et je sais comment rendre cette course encore plus drôle. En utilisant la vitesse explosive. La vitesse quoi? Wouh, c'est très excitant! Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Ne jette pas vos cils. Wouhou! C'est une affaire que voici Vous voulez savoir? Eh bien, il contient mon nouveau jeu vidéo! Il s'appelle Sauver le dragon. Il y a dans ce jeu un dragon adorable. Et ce dragon adore voler. Il a l'air très fort! Un jour, le dragon découvre un château avec une tour immense. Et quand il se pose pour l'observer de plus près, il se retrouve piégé à l'intérieur.
Qui veut y jouer en premier? Non, moi en premier. Je vais m'amuser comme un petit fou. Et je vais sauver le dragon. Debout devant toi. A fait tomber la console. Et on dirait que quelque chose de bizarre arrive aux jeux vidéo. Nom d'une durite. Les trois clés viennent de s'échapper du jeu. Oh oh, sans ces trois clés, on ne pourra pas libérer le dragon de sa tour. Non, mais ne t'en fais pas, dragon. On va quand même réussir à te sortir de là. Je t'en fais la promesse. Youpi! Faire. Oui, ces clés peuvent se cacher n'importe où. Avec AJ, on va les retrouver. Pas vrai, AJ? Oui, ce sera comme si on jouait au jeu vidéo, sauf que le jeu se jouera ici, à Motor City. Alors on y va. On a une partie de jeu vidéo à gagner. Nous sommes des héros de jeux vidéo. Blaze, tu as vu? La clé enchantée est tout près. On va l'attraper. Oui, mais avant ça, je crois qu'il va falloir déjouer un tout dernier sort. Un sort qui fait apparaître des bulles géantes. Il nous faut un objet capable d'éclater ces énormes bulles. Hé, j'ai trouvé. Utilisons la géométrie pour fabriquer une épée. D'abord, on a besoin de trois triangles. Pour fabriquer ces trois triangles, dis trois triangles. Trois triangles. Ensuite, on a besoin de deux rectangles. Pour fabriquer deux rectangles, dis deux rectangles. Deux rectangles. Enfin, on a besoin de quatre parallélogrammes, comme ceci. Pour fabriquer quatre parallélogrammes, dis quatre parallélogrammes. Quatre parallélogrammes. Oh, ouais. On vient de fabriquer une épée Monster Machine. C'est la classe. Partons à la chasse aux bulles avec notre épée. Joli enchaînement. Plus qu'une seule bulle a éclaté. Mais elle s'envole dans les airs avec la clé enchantée à l'intérieur. Sauf que cette fois-ci, la clé ne nous échappera pas, parce que nous avons la vitesse explosive. Pour me donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze. Fonce Blaze. Regardez, elle retourne dans l'univers du jeu vidéo. Et elle se dirige vers le dernier verrou. Ça a marché! Le dragon est libre! On a réussi, AJ. On a sauvé le dragon et on a gagné la partie. Wow. Je me demande ce qui se passe encore. Wow! C'est le dragon! Il est ici, à Motor City! Pour nous remercier de l'avoir libéré, je crois que le dragon nous propose une petite balade! Génial! Allons-y!